venu t'asseoir. Y a pas montage. Maintenant, donne pas d'air. Hein? Climatiseur, donne pas pour quelqu'un qui vient. Ah, c'est parce que c'est à 17 en fait. Climatiseur. C'est parce que c'est à 17 que ça doit donner. Normalement, c'est quand c'est à 16 ça donne. Faut arrêter climatiseur là, c'est surtout qu'il y a 17. Il y a son 16. C'est pas ça là. Si ça là, il t'a arrêté à son 16. C'est que c'est Nasco. Si... Non, je peux pas dire Nasco, coupé. Y'a pas montage. Y'a pas montage. Ah, y'a déjà 17. Nasco, c'est quoi? Marque de climatiseur. Nasco, contactez-nous. D'appareil. Contactez-nous parce qu'on a parlé de vous, Njo. C'est ça, maintenant on fait les partenariats. Parlez à qui? Ah, que j'aime bien aussi, chérie. Oui, oh, chérie. C'est partenariat de quoi? De Balsavan. C'est un partenariat de Bernis, ils m'ont pas payé. C'est Bernis, ils ont payé. C'est mon nouveau partenariat. Mais en tout cas, il a porté son t-shirt même. Les femmes jouent là. Venez, oh. Sortez, oh. Tu as des partenariats maintenant. Tu n'as pas. On te parle de l'influenceuse interplanétaire. Ah, comment tu te conjugues maintenant? Non, il n'y a pas de moi. Genre, il n'y a pas de. Genre. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien, nous ça va hyper bien. Bah écoutez, bienvenue dans une nouvelle vidéo sans montage. On espère pause. Que cette vidéo vous plaît. Ici c'est pas fashionista, tu me réponds ça. Ah fashionista, je parle pas comme ça. Tu mens, tu fais si, un je peu. Je parle comme ça. Tu fais un peu. Je me suis redamé. Pardon. Faut faire. Tu te concentres, pourquoi il fait ça? Il y a besoin que tu respires pas. Attends, je veux savoir quelque chose. Concentre-toi. Désolé, ça va couper. Je dis clé de ma voiture qui est dans ta main là, c'est pourquoi. En fait, c'était pas tête. Il est soulevé pour te donner. Puis j'ai resté dans ma main. Mais tu as soulevé pour me donner quelque chose. Bon, il y a déposé. Tu vendras ces bagues à main. Voilà ma nouvelle clé. Quoi? On va commencer. Eh ben, c'est comme ça, toi, tu fais tout. C'est bon, dépose, on va pas payer. Il va te payer millionnaire. Hey. Bon les chéris, dans cette vidéo on vient parler de choses assez palpitantes et assez piquantes. C'est ça. Oui. Déjà, on était sur la terrasse tout à l'heure. On parlait du style vestimentaire de Bernice. Nora et moi, on était en train de lui donner les conseils. Parce que Bernice est devenu influenceur. Il fait les partenariats, les 7 doubles. Les comment tu dis quoi? Les 7 doubles. Non, les double 7. Ça. C'est ça. Il fait d'autres partenariats. On le contacte. Les artistes même le contactent. Pour qu'ils chantent sur leurs chansons. C'est vrai. Tu peux pas t'habiller comme les apprentis Baka qui viennent de se laver. C'est pas possible. En fait, non, moi, ton style, moi, il t'arrête. Parle ton style, là, j'ai accepté ton style. Y a les mêmes. Donc, il faut accepter le mien. Accepte le mien. Quand je porte un chapeau, on arrête. Tu dis que non, ça fait trop apprenti Baka. Bernice, moi, je suis d'accord avec vous deux. Comment ça? Comment ça? Quand tu dis tu peux pas accepter le style de Kevin. Non, mais il dit j'ai accepté. Non, quand tu dis tu peux pas adopter le style de Kevin, je suis d'accord. Mais moi, attends, pause. Faut pas aller. Moi, je n'ai jamais vu que faut adopter mon style vestimentaire. Jamais aussi, je n'ai fait sortir ça. Mais pourquoi tu lui donnes tes culottes hier là? Quelle culotte? Tes culottes hier là. Pourquoi tu lui donnes? Merci pour la question. Maintenant, toi. Toi qui rigoles, parce qu'on dit que mes culottes sont hiéries, tu oses rigoler. J'ai jamais dit que tes culottes sont hiéries. Quand je attends, tais-toi ici. Quand tu quittes Agnama pour venir à Yopogo ici, pour venir faire 2 jours, et puis tu fais 2 mois, et puis tu n'as pas habillé pour porter. Ça aussi, c'est vrai. Et puis on doit sortir pour aller au restaurant. Et puis tu dis, mon grand frère, je n'ai pas habillé, je suis fatigué de porter mes habits de Johnson et Nyama. Tais-toi. Désolé, ça se coupe, qu'on pensait pas pourquoi. Vraiment. Caméra là n'est pas bonne. Non, c'est la cape mémoire que Rudy m'a donnée. C'est ça qui fait. Rudy, change. Toi, Rudy là. Demain, tu vas me donner autre cape mémoire. C'est mon collègue. Toi, tu as donné le nom de caresse aux gens, mais tu veux pas avoir enfant. Si y a quelqu'un, tu dois caresser, ce sont tes enfants. Non, mais je n'ai pas encore là. Mais pourquoi tu l'appelles Ruru? Je dis Rudy, tu dis que Ruru. Ruru, Rudy. Faut laisser affaire de Ruru là. Parce que toi-même, tes habits sont. Tes habits sont Ruru. Non. Donc non, quand je te donne mes shorts taille haute ici. Et comme tu es pitri. Mais tout à l'heure tu viens de dire que je t'ai pitri. Oui. Par contre, tu es pitri, je te donne mes shorts taille haute. Tu portes, ça arrive sur ton cou. Parce que tu as couteau. Tu as coutelina. Mes shorts taille haute. Mes shorts taille haute. Mes bermuda taille haute qui arrive ici là. Quand lui porte, ça arrive sur son cou. Ça fait mon col roulé. C'est faux, ça arrive sur mon cou. Kevin, quand tu dis quelque chose, tu enlèves ça dans ma bouche. Faut pas aller. Donc je disais. J'ai remis dans ta bouche. Ok. Il a avalé. Donc je disais, moi je suis d'accord avec vous. Parce que Kevin, toi aussi ton style là. C'est. Faut être un peu grand de taille aussi. C'est ça. Faut être un peu grand de taille. Faut avoir un peu. Faut être un peu. Oui, parce que. Un peu souple aussi. Les pantalons taille haute là. Quand tu portes, tu dois être grand. Parce que Bélis, qui est là, la Bélis, c'est du comme glace. Bernice est un peu pétri. C'est la même
il y a longtemps, il me fait chaud. C'est pas la fête d'habit, il y a longtemps. Entends, tu allais prier 5 jours ici. Bébé, entends, tu sais que l'amour que j'ai pour toi là. C'est vrai, tu étais ici en haut. Tu allais prier, tu allais aujourd'hui. Tu allais faire retraite spirituelle. Tu es venu aujourd'hui au même temps, tu allais porter perruque pour venir faire. Donc, perruque, là, c'est possédé. Ah, je sais pas, je porte pas où. Donc, je disais. Sinon, ce que Kevin dit là, c'est pas faux aussi. C'est vrai. Parce que Benny, sérieusement, ton style, tu as ton style vestimentaire à toi. Ça, là, moi, pas on est obligé de voir tes tailles finir de parler. On est obligé de respecter ça. Mais faut mettre un peu de. Faut mettre un peu de piquant dedans notre style vestimentaire là. Tu vois, c'est piquant là que sa casquette à l'envers là. Non, je dis à l'envers là, faut arrêter. Quand j'appelle Bénice, mon petit frère, faut venir. Quand Bénice rentre dans ma chambre ici, voici casquette là qui est derrière comme ça à l'envers. C'est à cause de tu toi. Es jolie. Section d'assaut acheter casquette à l'envers. Et puis je t'ai dit, faut faire des pages pour ta. Des photos pour ta page. Tu es une influenceur. Faut entretenir ta page. Faut faire de belles photos bien chic chic, bien. Stylé propre. Tu peux même faire le shooting professionnel. Oui. On te donne le conseil, on te dit tout. C'est vrai que ça m'a surpris. Attends. Faut pas y aller mentir. Pitri. Pitri nous. Moi je me suis. Pitrina. Tu as la parole. Moi en fait non, c'est vrai. Tout, ça fait plusieurs fois qu'ils disent ça, hein. C'est vrai. Mais quand je. Que vous dites que je poste pas. Et tu fais pas de photos professionnelles. Voilà, c'est ça. Mais en fait non, je vais vous expliquer. Moi là, j'ai un problème avec. La prise de photo, même quand j'étais petit là même là, quand on dit venez pour photo, je me cache comme ça. Il y a des gens comme ça. C'est pas que j'ai pas confiance en moi, mais je me sens plus à l'aise dans les vidéos. Donc tu as confiance de faire les vidéos, mais quand c'est pour les photos là, la caméra tourne comme ta casquette. Tu es en train de me faire comme. Donne-moi des billets, je te donnerai des jetons. Comme Double Seven qui a fait ça. Attends, elle te fait comme quoi? Comme Double Seven qui a fait ça. C'est bon, partenariat. Buvez. Là, c'est bon de produire là. Yeah. Buvez. C'est pas moi, ils ont payé. Faut aller faire ça sur ton TikTok. C'est bon. Je disais, façon, tu t'assois pour faire ta caméra là. Mm-hmm. Le jour que tu te donnes devant les caméras, devant les vidéos, donne-toi ce même genre là. Attends, exemple, fais photo. Oui, oui, photo. Fais oui, position. Position. Oui, faut faire. Oui. Non, faut faire vidéo là. Faut faire une pause, et voir. Faut faire une pause. Pause. C'est ça là, il veut pas voir. Méchant, méchant. Tu sais pas où. Ta photo, elle est comme ça. Ça l'a plus jamais. Bénice, tu as un style. Plus Clarita. Même quand tu fais. Ah, sensuel, Ruby. Ah là là, Teresa. Par contre, il me sent plus dans les vidéos. Hé, grand père et bio. Ton style vestimentaire là. On dirait les rappeurs qui vont jamais percer là. Ah oui. Moi-même, c'est tes jeans déchirés. Je vais vous expliquer quelque chose. À quoi t'as jeté les deux là, les deux autres là. Tu as jeté dans tes jeans là, merci. Hier, j'étais avec Bénice. Vers 21h, on était à la Riviera Golf. Bénice me dit que Ali doit aller en gris. Je dis tout à l'heure là, il dit oui. Je dis, il y a quoi là-bas? Il dit que non, il y a Miss Cocody. Et qu'il est invité en tant que star dans Miss Cocody. C'est ça. Donc, il s'en va. Je dis, mais attends, on va rentrer à la maison pour que tu te changes. Pour partir, ou bien tu t'en vas là. Il dit que c'est là, il s'en va. Vous savez, Benny, ça avait porté quoi? Mon t-shirt, ça me venait. Il avait porté un t-shirt rouge, casquette à l'envers, un jeans de Bakaman là. Jeans, ça c'est cher. Et puis il a mis son. C'est ça qui met ici là, mais c'est Joroko, on dirait. Les gens qui font cabine téléphonique là, il a mis c'est ici. Avec ses tapettes, il dit il s'en va comme ça. Tu aurais pu m'échapper. Qu'il ait invité les stars. C'est pas ça, hein. Écoutez, quand vous n'êtes pas habitué à faire quelque chose, même moi, là, pour porter, je suis fermé là. C'est vraiment un travail. Donc faut travailler c'est sur ça. C'est un travail. Ça là, c'est l'esprit. Parce que ce que tu es en train de dire là, je sens un esprit. Elle a allé faire le retraite spirituelle ici. C'est jour. Je sens un esprit de non-développement. Je ne veux pas développer ton style. Ça là, tu devais me suivre à la prière. Je vous ai dit, à faire des retraites spirituelles là, j'ai dit. Tu devais me suivre à la prière. Je crois que l'élève a plus parti là. J'irai. Bon, ça c'est ce qu'on voulait dire sur le style vestimentaire de Bénice. Donc, conclusion, c'est quoi? En tout cas, je vais faire l'effort. Surtout partie photo là, il fait l'effort. Sinon, vraiment, quelque chose aussi. Bébé, tu fais, y'a ta cote monte comme ça. Qui comme ça? On t'appelle pour les partenariats. Photo qui est là. Hey! Donne-moi des pieds. Comme en tout cas, ma soeur qui me touche là, vraiment merci beaucoup. Qu'est-ce? Ma collègue. Qui? Kevin Chambeloué. C'est elle qui me met dessus. Ça, c'est mon cœur. En tout cas, merci, chérie Coco. Tu sais faire. Ah, là-bas. C'est elle qui me met sur les partenariats. Oh. Kevin Chambalala. Merci, oh, tu es gentil. Super.
C'est pas monter sur porte seulement. Tu as bon cœur aussi. Deuxième point. Deuxième point. C'est quoi? Noura allait à Issia pour faire retraite spirituelle. Kevin doit parler de ça. Oui. Ça fait de Dieu, non, non. Mais c'est parce que ça fait de Dieu qu'on doit parler. Parce que je comprends pas. Pourquoi délivrer ceux qui regardent la vidéo? Non, Noura allait faire une retraite spirituelle à Issia avec Lily et notre tante pendant 5 jours. Non, pas notre tante. J'ai été invitée à la retraite. Donc j'ai dit à mes soeurs de venir partager ce moment de pénitence là avec moi. Donne-moi des billets. Pénitence même. Donne-moi des billets, je te donnerai des bibles. tu donnes pas. Kevin, si je vais partir à la retraite, c'est à cause de toi. Faut tout me dire. Parce que dans cette maison, non, j'ai prié, j'ai même déposé une bougie devant la Sainte Vierge. Faut te taire. Tu n'étais pas là-bas. Non, il y a dit. Faut te taire. Donc je disais, c'est à cause de toi. Parce que Kevin, ton comportement me dépasse. Toi, tu as vu, tu as possédé. Tu as possédé. Ton comportement me dépasse. De toute façon, tu vis, je n'aime pas. Je n'aime pas ta vie. Par exemple, ta petite soeur est passée à la retraite spirituelle. 5 jours. Elle vient t'appeler pour te demander: ah Kevin, tu vas manger ton foutu là. Tu es malade ou bien? C'est moi qui ai dit lundi, ma chérie, je ne mange pas. Aïe. Mais comme ma foi, elle est grande. Yeah. Et que le Seigneur dit d'apaiser nos cœurs. Ça, tu as fait 5 jours. Est-ce que j'ai dit, ah ok, il n'y a pas de souci. Et il rentre, il est sur son portable. Ben, il dit que tu as fait 5 jours de retraite. Et si maintenant tu avais fait 10 jours? Ah. J'allais transformer 7 quelque chose là en l'eau bénite. Yeah, mais oh. La miraculous day. Donc on je disais, Kevin, viens, tu n'as pas vu ta poussée pendant 5 jours. Quand tu rentres dans la maison, la première des choses, c'est quoi? Benny, c'est quoi? Bonjour ma petite soeur ou bonsoir. Bonne arrivée, même. Bonne arrivée, ça va? Et puis tu passes. Kevin est venu laisser son portable. Comme si on a dormi ensemble, on s'est réveillé ensemble. Mm. Donc je suis là, je le regarde. Et notre petite tante, maman, qui a dit: ah, mais Kevin, je viens pour la saluer. Il dit: mais on s'est appelé. En tant que je t'ai appelé, tu m'as fait au show. Non, attendez. Quand on s'est appelé, on s'est dit bonsoir. Attendez. Tu as parlé, je peux parler, non? Bah, salut. Toi, tu t'en vas à Issia, retraite spirituelle, pendant 5 jours. Déjà, tu as couché à Issia là-bas, tu m'appelles pour dire que elle a couché là-bas. Elle m'appelle, elle dit que Kevin, faut me faire transfert d'unité. Je te fais transfert 5 000 francs. Parce qu'on ne pouvait pas sortir. Elle m'a envoyé un message pour parler du canapé des affairés. Pour me demander, le canapé s'est passé comment? Je dis, ah franchement, c'était chic. Roxane de Inside a cartonné. Bon. On en vient. Marcel Touboys, lui, il cartonne tout le temps. On en vient. Parlons de donc, Dieu, Seigneur. C'est pas comme si on ne se parlait pas. Mmh. On se parlait. Je suis en train de rentrer ce soir-là. Elle m'appelle. Allô, tu vas manger ton foutu là. Je lui dis, tu es malade. Tu es malade. Pendant c'est moi parles, qui... Pendant que tu parles, je sens l'esprit. De quoi? Oh. Attends, tu dis pas la chose là, oh là là. Ça, c'est toi qui vois, c'est ton problème. Je lui dis, tu es malade. Je lui dis, tu es malade. C'est moi qui ai donné l'argent du marché. Donc, j'ai marché. C'est moi qui ai donné l'argent du marché. Donc, je vais manger. En même temps, j'ai coupé. Donc, j'étais vraiment à quelques secondes de la maison. Donc, je suis rentré. On a causé, il n'y a même pas 2 minutes, de te saluer. Pourquoi encore? On s'est parlé au téléphone. Ce qui dit là, est-ce que c'est logique? On s'est vu? Mais on s'est appelé, non? Est-ce qu'on s'est salué? Tu as pris les nouvelles. C'est Kevin, tu vis mal. C'est pas bon. Donc, j'ai prié pour toi. Je sais que d'ici une semaine, tu seras déchargé. Il m'a fait quelque chose aussi comme ça. Faut expliquer pour toi. Il m'a appelé. Allô, mon petit frère. Il faut transférer l'argent à ma camarade. Il dit, ok, pas de souci. Il dit, ok, donc je t'envoie le numéro tout de suite. Il a dit, d'accord, y'a pas de souci. Donc, je me suis déconnecté. Vu que moi, je suis allé à une célébration, si je peux le dire comme ça, de mon partenariat. Et donc, je suis occupé à, voilà. Donne-moi des biens, je te donnerai des 7-Up. Et il m'appelle, il me dit que, allô, tu es malade. Tu es malade, tu as un problème. Il dit, ah, mais il y a quoi? Quand toi tu expliques là, il dit, tu vas me te faire passer pour la victime. Ouais, quand tu expliques là,
Tu vas me te faire passer. Attends, comment il a expliqué? Toi, tu vas expliquer ta. Tu vas me te faire passer pour le policier. Non, 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 moi, ça, je suis pas. Tu vas me te faire passer pour le policier et moi, je suis le loupa. Oui, tu n'es pas vrai. Tu vas m'envoyer une vidéo. Parce que tu parles à Benin, ça c'est comme si tu le payais. C'est pas ton assistant. Il me crie là. C'est quelqu'un qui a décidé de. Non, non, non. Tu as hypocrite. Non, toi, mais tu as hypocrite. Tu n'es pas bon. Parce que comment on va faire ça là? Tu me défoules. Non, non, non. Lève-toi, hypocrite. Lève-toi. Tu sais, tu vas pas trop. Tu sais pas que malade, Benin. Tu es malade. Tu vas aller sur toi la nuit là, comme s'il n'a pas de maison. Que tu as c'est pas qu'il aime bien qui vit derrière toi. Sinon là, c'est pas comme s'il n'a pas de maison. Tu vois non, vous venez me faire passer pour. Bon, j'ai fait. Mais tu as fait je... Vous allez me faire quoi? J'ai fait. Ça, c'est les gens qui ont honte là, c'est comme ça. Non, ben ils sont bien expliqués. Non, c'est vrai. Tu m'as dit, mais tu as quel problème? Mais moi, tu m'as dit que tu as ouvert le numéro. Tu m'as pas dit que je vais t'envoyer le numéro sur WhatsApp. Et tu m'as dit, je vais t'envoyer le numéro, tu vas ben, moi, j'ai toi et moi là, à chaque fois qu'on cause, c'est où? Écoutez, faut répondre. C'est sur WhatsApp. Donc, si je te dis, je vais t'envoyer le numéro, à ton avis, j'avais envoyé ça où? Et puis déjà même, je t'ai dit, Bernice, dès que je coupe, je t'envoie le numéro de Lupis. Hein, tu m'as dit ça. Dès que je coupe, je t'envoie le numéro. Si j'ai coupé que tu n'as pas reçu, tu peux te dire, ah, peut-être qu'il m'a envoyé ça sur WhatsApp. Mais pendant que je te dis que je suis en train de m'occuper... Tu faisais quoi? Tu veux me faire parler? Tu sais, c'est bon. C'est ce que tu dis là, tu as raison. J'ai raison, mais Bernice n'a pas tort. Parce j'ai que raison, mais il n'a pas tort. Tu n'étais pas connecté, non? Non, je t'ai pas connecté. Donc c'est parti un train, donc tu sais qu'il n'a pas reçu. Ok. Donc là, non, au moins si je n'ai pas connecté. Vu. Si je t'ai connecté. J'ai envoyé, je me suis. Je mais suis ça, c'est l'esprit de distraction. Distraction, distraction. Hey. Affaire de l'esprit là. C'est bon, faut laisser. Affaire de l'esprit là. Tu es très distrait. Quand tu envoies quelque chose à quelqu'un, faut être assuré que la personne. Ah, vraiment, ici, ici toi. Ici, ici toi. Ici, oisi. Robe de la Vierge, là même là. La couverte. Retraite spirituelle là, vraiment. Ma chérie, tu étais retraitée là-bas. Je vous ai raté. Un peu seulement, ça, c'est un esprit de. Tu viens d'en parler de la retraite, non? Tu as quel problème? Tu as quel problème? Donc, j'envoie l'argent. Le soir, je reviens. Je le salue. Bonsoir, mon grand. Bonsoir. Il dit, ça va, mon grand? Oui, ça va. J'ai pas compris. En fait, on vient de parler. Bon, pas qu'on. On vient de parler, mais il n'y a pas longtemps qu'on était au téléphone. Je te salue, tu me fais. Donc, je suis allé directement. Maman demande, maman qui est, demande. Je vous sers ensemble. Non. Que quoi? Je vous sers ensemble. Je vous sers, particulier. Je vous sers ensemble. Il dit non. Je mange pas à lui. Toi, aujourd'hui, toi, tu manges pas à moi. Esprit de division. Si tu veux me mettre, esprit de non-repas. Esprit de non-repas. Si tu veux. Non, je voulais pas manger avec lui. Finalement, on a mangé ensemble. Mais je voulais pas manger avec lui parce que il se donne trop un genre. Je te dis, faut faire un transfert. C'est urgent. Pendant 30 minutes, tu reçois pas les. C'est pas 30 minutes. C'est de les 10 minutes qui ont suivi là. Esprit de non-chronologie, Bernice. C'était 30 minutes. Agnéné. Donc vraiment. Mais j'étais trop occupé. Donc. N'oubliez pas de boire ça là. N'oubliez pas. C'est bon, on m'a pas payé aussi. C'est bon. Hein. Ouais. Je t'ai laissé faire un peu, c'est bon. Attends, t'es mieux aussi. Ah. C'est ça que je peux gâter quand je commence bien, non? C'est bon. Toi, c'est ça que ton affaire là aussi. Esprit de gâter. C'est bon. Tu as pas prié pour lui encore. Yeah. Bon, non, moi j'ai une question. Pourquoi être allé jusqu'à Issia pour aller prier Dieu? Il y a. Faut parler fort. Déjà, il y avait la retraite qui était là-bas. Uh-huh. Après, et puis, à cause de la grotte de Notre-Dame de délivrance, la Vierge Noire, qui opère des miracles de là où elle est. C'est à cause de ça. Ah, ça, Issia, il y a la Vierge Noire. Oui, c'est vraiment un lieu saint. C'est un lieu de prière. C'est un lieu. Quand tu rentres là, c'est un lieu de pénitence. Non, là, il n'y a pas sérieusement. Hein. Quand tu rentres, franchement, le calme même là te fait savoir que tu es venu dans la maison de Dieu. Mmh. Tu es venu apaiser ton cœur. Mmh. Tu es venu pour que l'Esprit Saint te visite. Franchement, c'est un lieu de. Il y a une question. Vas-y. Une statue là, c'est noire. Oui, la statue même est noire. Ça fait pas peur. Kevin qui est noir qui est à côté de toi, il te fait peur. Non, il n'est pas statue, l'homme bouge un peu comme ça. Imagine un truc comme ça. Non, statue, la personne blanche, c'est pas espèce, esprit de. On appelle ça comment même le tout à racisme. Parce que pour les statues. On dit racisme. Il existe racisme. Donc, si elle dit pas me là, c'est que eux là n'est pas dessus. Donc, je disais, les statues blanches là ne font pas peur. Pas vraiment. Oh, mais c'est noir qui te fait peur. Non, mais ça dépend de quel noir. C'est Kevin, c'est pour ça que je suis partie là-bas.
Est-ce que tu as prié un peu pour moi aussi? J'ai prié pour tout le monde. J'ai porté tout le monde en prière. D'accord. Vraiment, c'est vraiment gentil. Moi, tu as prié pour moi. Tu as dit quoi là-bas? Ah! Si elle veut dire ça, maman se sentit. En tout cas, j'ai dit. Tu as prié aussi de prier pour ceux qui sont venus chier en haut là. Les forces du mal là. Parce que. Oh, faut pas rire, ça fait pas du mal là. En fait, non, j'en ai parlé sur TikTok. Oui. Il y a des gens, on sait pas si c'est une personne ou des personnes. En tout cas, on va dire qu'il y a quelqu'un qui est venu devant chez nous. La personne a cassé œuf sur la porte. Et puis, parce que nous, c'est un immeuble qu'on est en train de construire. Et la personne est montée au deuxième pour chier. Les détails. Oui, les détails. La personne est montée au deuxième pour chier. J'ai prié pour tout ça. On va te monétiser. Chier ce dit. J'ai plongé la maison dans le sang du Christ. Tu as plongé quoi? La maison. La maison. Et caca de la personne là. C'est pas où ils ont chié. Si tu as plongé la. Tu dois aussi plonger caca de la personne dans le sang du Christ. Comme ça, le sang là va chicoter ça. Je vais mettre le feu même sur le caca là. Oui, quand j'ai parlé de ça sur TikTok là, les gens ont dit qu'on devait mettre le feu dessus et puis verser quoi là-dessus? Cendre. Eau bénite. Oui, si c'est eau bénite, j'ai ramené pour toi. Tu vas faire ton shampoing avec. Mais attention, t'as demandé là. Moi, je suis Lucifer. Quoi. Oui. C'est pas comme tu allais faire ça là-haut. Tu as 20 démons. Souvent, il y a un qui sort, il vient, Kevin est gentil, mais Kevin a sale comportement. Côté gentillesse, ça, je lui dis. Pour vivre avec Kevin, c'est pas facile. Côté quoi? Gentillesse. Tu es gentil. Il a bon cœur aussi. Bon cœur là, je sais pas trop. Mais tu es gentil. Mais tu es bête. Non, c'est gentil. L'esprit du partage. Tu es partagé. Où tu t'énerves là? Partagé, mais non, c'est pas énervé. Non, la prophétesse, faut parler doucement aussi. Non, je veux te faire au show là. Kevin partage. Non, il est trop gentil. Si c'est partagé, il aime partager. Il a fait mon téléphone. C'est un bon cœur. Ah, c'est l'homme. Mais pour vivre avec Kevin est difficile. Très. C'est pour ça qu'en France, je vis seul. Oui, c'est mieux. Mais tu peux pas te mettre. Je suis par moment la seule personne. Je peux me mettre au couple. Moi, c'est là où tu fais. Non, comment ça, je peux pas me mettre en couple? Faut juste que la personne sache me. Kevin, toi aussi là. Tu veux qu'on vive en fonction de toi, mais toi, tu veux pas vivre en fonction des autres. De toute façon, toi, tu as des humeurs là. Accepte aussi que des gens avec qui tu vis là peuvent avoir des humeurs. Mais toi, tu as humeur. Est-ce que moi, je dis pourquoi tu as humeur? Non, toi, est-ce que je te calcule le même? Le jour où tu viens me saluer, que moi, je te reprends froidement. Tu as dit, c'est pas toi. C'est moi qui suis venu vers toi. Mais quand c'est pour toi, on doit accepter. On doit comprendre que tu n'es pas de bonne humeur. Ça, c'est l'esprit du trafic. Okay. Ça, c'est toi qui vois. Un trafic. C'est vrai. Non, il n'y a pas de pour toi là. Il a dit, genre, mon grand frère là, vraiment, on ne peut pas vivre avec lui. Faut pas y avoir menti, on ne peut pas vivre. La seule personne qui arrive un peu à le truc, c'est moi. Oh. Même moi-même, parce que moi jusqu'à. Moi jusqu'à. Quand il fait, je lui dis, on s'est fait un peu, mais on se suit. Non, moi quand il fait là, il parle pas, c'est de mon quoi maintenant. Moi, je suis mieux. Figure-toi que la dernière fois, il m'a dit qu'il est couché, il est couché. Il m'a dit que lève-toi, mon dos me gratte. Il dit que, tu me dis, j'ai gratté. Kevin, ça veut dire que tu n'aimes pas quand tu lui dis la vérité. Si Kevin est en train de faire parler avec quelqu'un, il a dit non, Kevin là, je n'ai pas bien. Si moi, je suis ton grand, tu peux pas pour ma défaut. Demain, si tu. Et puis l'eau, la bonne machin. Et puis tu me fais plus. Toi, demain là, tu me parles plus jamais. Et puis si il est en train de faire mon parler, faut plus mettre ta bouche dedans. Pourtant, à cause de toi, chaque jour, je me bats dehors. Chaque jour, je me bats dehors. Dès que tu as parlé, c'est moi qui appelle. Ça, c'est esprit de gros braillard. Mais j'ai brisé ça. Quand tu as parlé dehors, là, je donne mon âme. Mais quand je te dis la vérité, tu ne veux pas. Sa parole femme, c'est tu ne me parles plus jamais. Tu ne me parles plus jamais. Quand il ouvre sa bouche, il en sort dedans. Dans le guichet. Je vous me fais quoi? Dans le dernier point, je te vois. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Moi là, je vous ai toujours dit que j'ai des génies. Beaucoup. Et que je suis pas quelqu'un de facile. Je connais. J'accepte. Je sais que je suis un peu compliqué. Je suis un peu compliqué. Très très très. Pardon. Faut ajouter très. J'ai mon caractère. C'est pour ça que je n'aime pas qu'on me provoque. C'est pour ça que quand vous me parlez sur internet, quand je vous dis arrêtez de me provoquer. Quand il est levé, il tombe pour ça qu'on me pile. C'est qui? Toi. Il y a eu un post sur Facebook tout à l'heure là même. Il y a une fille qui allait parler de moi. Il y a comment elle s'appelle même? Est-ce que le nom est important? Vraiment. Elle allait parler de moi pour dire que oh. Bref, même c'est pas important. Elle m'a comparé avec Ange Péchou, un truc comme ça. On m'a envoyé la capture. Hé, j'ai réfléchi à ce que mon mot m'a dit. Maman m'a dit la dernière fois que. Il était dit maman m'a fait ça, non?
pour dire qu'il ne faut pas répondre à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui mérite ton attention et tout. Maintenant, on te connaît. Il faut éviter certaines choses. Il faut éviter de faire parler partout. Raison. Sinon, je venais faire vidéo. Hein. Non, j'aime pas. De toute façon, si tu fais vidéo, quand tu vas avoir l'argent. Oui, oh ah. Moi, et puis sachez que vous, les gens de Facebook, là, quand vous m'insultez, puis je viens vous insulter sur YouTube, là, on me paye. C'est pas pour vous êtes trop important. Oui. Est-ce que vous voyez que je vous réponds sur Facebook? Non. Si vous connaissez, même là, vous allez faire aussi. On me paye. Le point, on nous paye. Juste quand j'ai payé voiture. Donc, vraiment, faites. C'est parce que, bon, la fille a même elle est sans importance, donc on la connaît pas même. Bref. Donc, on parlait de quoi, là? On a fini de parler de chier, là. Les ceux qui ont chié, on là. Sachez que maman va mettre ce que tu dis. Comme... Ta bouche est pas tu sais que les chauves-souris là ils n'ont pas cuit non oui ils chient dans la bouche oui donc parfois ils mangent comme ça ça oui ils n'ont pas cuit toi tu as bouffé ça je vous jure c'est les Lydia qui m'ont dit ça aujourd'hui oui c'est vrai mais attends je dis c'est vrai oh c'est vrai tous les Vanessa disaient ça et je suis allé vérifier en fait moi je crois ce qui vient du père. Le père. La bouche des hommes, je ne crois pas. Le père. Est-ce que c'est écrit dans la parole sheet? Ici, il y a 5 jours. Imagine le week-end. Non, c'est pour dire que tu es comme chauve-souris. Ils n'ont pas cuit. Tout sort ici, là. C'est comme ça, tout sort de ta bouche. Mais il n'aime pas. Mais en tout cas, hey, on vous attend ici. Donc, d'accord. Donc, vous qui avez chié en haut, là, sachez que cet immeuble. Qu'il pleuve, qu'il neige, il va se terminer. Vous entendez, vous les qui? La jalousie vous doit quoi? Continuez. Crions sur eux. Crions sur eux. Le dernier point, le canapé des affairés. La jolie. Nora et Lily étaient absentes du dernier canapé des affairés. Et franchement, c'était chic. J'ai tourné avec Marcel de Two Boys en moment de dodo. Et Roxane Chero, oui, Roxane Chero de Inside. C'est ça. Voilà. Franchement, au début, quand elle est venue, c'était un peu. Moi, j'avais pas de problème avec elle. Mais Marcel, pas qu'il avait un problème avec elle, mais il était en mode je la connais pas. Tu vois. Mais pendant le tournage, ça s'est très très bien passé. Franchement, Roxane, très belle découverte. Elle était chaude. Au début, elle stressait avant de tourner. Et finalement, elle était très naturelle. Il y a vu ça, même. Ah, Noura m'a écrit que le tournage s'est passé comment? Elle va parler. Je dis ma petite soeur, c'était chic. La fille est forte. Il t'a dit ça, non? Il a dit elle est forte. Franchement, elle était naturelle, c'était trop bien. Elle répond, ok. Mais tu l'as frustré. Je l'ai frustré. Non, il m'a pas frustré. Je dis la fille est forte. Non, elle je vais vous expliquer. Kevin, quelqu'un n'est pas bien. Quand Kevin est parti à Paris ici, il m'a laissé moi et Lily sur le canapé. On a invité Marcel. Quand Kevin a dit ah, avant de quand on voulait préparer l'émission parce qu'on n'a jamais fait sans lui. Donc moi et puis Lily on a dit bon on va préparer l'émission pour pas qu'on gâte tout. J'ai appelé mon grand frère pour lui dire ah voilà c'est qu'on veut faire. Il dit oui très belle idée et tout. Donc on lui a même dit des choses qu'on veut parler et tout ça. Il a dit ok y a pas de souci c'est bien et tout. On lui a montré son importance, Marie qui n'est pas là. Exactement. Merci. La considération là, c'est quelque chose qui est sacré. L'esprit de considération. Ok, on est dessus. Nous on est à voyager. Avant de prendre la fille, on nous a demandé, parce que c'est nous qui vont le placer. On nous a demandé, on a l'habitude de faire un machin, ça ne m'a pas dérangé. La fille aussi, il n'y a pas de souci, donc ça ne me dérange pas. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Ça t'a pas dérangé qu'on fasse avec elle? Non, pas du tout, pas du tout. Donc ça m'a pas dérangé. Maintenant toi Kevin qui est mon grand frère, quand je vais te donner le canapé, c'est bien passé. C'est passé comment? Tu peux me dire ah oui c'était bien et tout s'est bien passé. Tu me dis non la fille elle est forte. La fille là, ceci c'est l'esté. Donc c'est dit que nous on est nuls. D'une part. C'est dit que nous là on vaut rien. Non. Tu pourrais même dire hey, en tout cas, peut-être pour y finir de parler. Elle est forte, mais elle, vraiment, vous m'avez moqué sur le canapé. C'est une fois seulement, il t'a dit. La fille, elle est forte. Elle est forte. Oui, elle est forte. Effectivement, moi, j'ai regardé le canapé aujourd'hui. Franchement, j'ai beaucoup aimé son apparition. Elle était très naturelle. Puis une première fois, il n'y a pas de souci. Mais je me suis retrouvée la fille là. Je ne vais pas laisser. Parce que je suis hypocrite. Non, je ne sais pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Attends, je m'en vais poser ma lunette.
Tu as aimé son apparition? Oui, j'ai aimé son apparition. Non, Kevin, non, plus sérieusement, faut pas t'a faire. Les gens vont penser que Jean il n'aime pas la fille. Quand il a dit c'était pas pour rigoler. Mais il t'a dit quoi? Il t'a dit c'était chic. Oui. En tout cas, elle a tué. Franchement, elle était très naturelle sur le canapé. Ça, il y a rien à dire. Mais ma chérie, pas toi. Pas net d'abord. Ok. Tu dois lui dire. Il y a pas montage. Puitri. Mais il y a pas montage. Toi, il a dit j'ai dans le zoom sur mon visage. Toi, Cynthia, tu n'étais pas assise à ma place, mais tu étais dans la peau d'une autre. Elle s'appelle Roxane. Oui, je sais. Mais c'est la Cynthia de ma vie. Oui. Tu n'étais pas assise à ma place, mais tu étais dans la peau d'une autre. Je me suis retrouvée en toi. Parce que tu avais les gestes que souvent j'ai l'habitude de utiliser. Ça marche pas. Toi, tu vas te lever à double semaine là, ici. Merci. Tu avais les mots même que je... Et puis tu voulais faire show à Kevin. Pourtant, tu sais que c'est mon rôle dans le canapé. Donc, ça veut dire que je suis sûre que avant d'aller tourner le canapé, là, tu as regardé beaucoup et puis tu dis que c'est la... Mais pourquoi c'est toi, elle va faire et puis elle n'a pas fait Lily? Moi, avant de... Même avant pourquoi de... Pourquoi elle t'a imité et puis elle n'a pas imité Lily? Attends, je vais te parler. Même avant de regarder l'émission là, j'ai vu les commentaires où beaucoup d'hommes ont dit que hey, c'est l'air, c'est Manouro. C'est l'air, là, le même... outfit, c'est ce qu'on dit, non? Que Noura, oh. C'est elle, elle a les mêmes gestuels que Noura. Oh. Il a dit, hey, les gens aussi aiment exagérer, mais j'ai regardé, ils ont raison. Toi. Beaucoup. Mais en tout cas, tu es faute. Tu sais faire. Mais je vais te dire un truc. Un dernier truc. La photocopie peut pas être comme l'original. Ça, c'est la conclusion. En vrai, tu veux que tu fasses ta place au canapé? Non, je rigole. Elle a tué. Franchement, elle a tué. En tout cas. Mais là, tu disais quoi tout à l'heure? Je sais plus où. Ok. Je t'ai perdu. En tout cas, toi, ma chère, plus jamais sur le canapé. Et puis, le canapé là même, on va plus. Parce que c'est quand on va devoir les gens. Et puis, les gens disent que c'est goût là à rester. L'autre n'a pas parti. Vous partez plus ici. On va aller ici à samedi. Pas vendredi. On va aller ici à samedi. Non, mais c'était chez vous. Parce que c'est vendredi, on tourne en fait. Vous êtes professionnels. C'était chez moi, il y a dodo comme toujours. Ils ont fait deux reprises. Mais Kevin, faut dire aussi que le jeu, tu n'étais pas dans la nature aussi. Oui, mais ça, j'ai toujours dit. Je vous ai dit que quand j'étais à Paris, là, le canapé là, vous avez tué. Il dit, il a vraiment rigolé. Oui, j'ai rigolé. Son canapé, donc, moi, comme ça, ça ne t'a pas la tuer. C'est c'était chic, c'était chic. Voilà, chérie, c'est la fin de la vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. C'était donc une vidéo avec Bernice, Petri et Noura. Arrête de dire que je suis Petri. Je suis pas Petri. Je suis juste en forme. Et Noura. Petri, la zèle. Non, Aoulaba. Aoulaba, c'est la même. C'est pas des petits sur moi. C'est des petits puis. Dudu, je carreau dessus. C'est la fin. Garçon, là-bas, c'est bon. N'oubliez pas.